Oh ben dis donc, ça change d'univers tout ça. On se retrouve pour la suite unbox du mois de juin, je crois. On y va. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. Oui, comme vous le savez, comme je vous l'avais vu dans la vidéo d'il y a 15 jours, je crois. J'ai changé d'univers, j'ai changé de maison et tout, enfin bref, changement de vie. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi ça va pour le mieux, je suis hyper contente de tout ça, de tous ces changements. Alors je sais pas ce que ça va donner au montage, je verrai bien. Je me suis mis là parce que je trouve que le papier peint derrière est assez joli, même s'il fait pas la longueur totale des deux trucs, on voit les bandes, bref. Je vais faire petit à petit, je vais peut-être changer, modifier l'endroit, etc., etc. Mais bon, petit à petit, on va trouver notre place à nous, à vous et à moi, mes abonnés. Et je vous referai des petites vidéos par-ci, par-là. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter la suite Homebox. Donc, vous le savez, je suis en partenariat avec la suite Homebox depuis un petit moment. Moi, j'adore la suite Homebox et mon compagnon adore la suite Homebox aussi parce qu'on y retrouve des choses sympas. Dans la suite unbox de ce mois-ci, alors je vous ai dit juin dans le début de la vidéo, mais je pense que c'est celle de mai plutôt, parce que je l'ai reçue fin mai et on les reçoit toujours en fin de mois. Donc la suite unbox, vous la recevez, hop, comme je vous l'ai toujours présenté, dans un petit carton comme ça. C'est marqué bienvenue chez vous, suite unbox. Donc la suite unbox, qu'est-ce que c'est pour celles qui découvriraient cette vidéo? C'est une box de senteurs, donc vous pouvez retrouver des bougies, des bâtonnets qui sentent bon, on peut retrouver plein de petites choses en rapport avec les odeurs et la maison. Donc on va voir ensemble ce qui se cache dans cette suite unbox. Alors je vous avouerai que là ça va faire 15 jours qu'elle est à la maison. J'ai déjà testé quelques produits, mais pas tout, donc on va voir ça ensemble, je vais vous en parler, ce que j'ai testé, je vous en dirai ce que j'en ai pensé, etc. Et voilà, donc la luminosité vient de par là, parce que j'ai une porte-fenêtre juste là, j'ai l'impression d'être plus colorée que d'un côté que de l'autre, mais bon, on va faire avec, et je pense que je trouverai au fil du temps un endroit peut-être plus adapté, je vais voir. Mais bon, pour aujourd'hui, on fera avec, et si je peux même filmer dehors cet été, je le ferai. Mais je sais pas si chez vous, mais chez moi, il fait très beau depuis une quinzaine de jours maintenant, mais par contre, on a beaucoup de vent, et c'est vrai que bah, filmer dehors avec le vent, c'est pas toujours agréable. Mais bon, allez, on y va, on va arrêter de blablater, on parle de la suite unbox. Donc déjà d'une, la première chose qu'on a retrouvée dans la suite unbox, c'est ceci. C'est une bougie végétale de la marque Plantes et Parfums Provence. C'est une bougie à l'ombre du figuier. Alors vous allez voir à peu près toute cette, cette box est sur le thème de la figue. Et moi j'adore la figue, donc j'étais hyper contente de la découvrir. Donc là la bougie Plantes et Parfums Provence, donc c'est des bougies 100% végétales. Parfum à l'ombre du figuier, elle fait 180 grammes. On l'a déjà brûlée comme vous pouvez le voir, moi j'adore son odeur. C'est vraiment l'odeur de, vous savez, la feuille de figue, quand vous êtes, quand vous avez, si vous connaissez le figuier, la feuille de figue, quand vous la frottez, ça sent vraiment cette odeur-là, et moi j'adore. Mon compagnon aime un peu moins, il trouve que l'odeur est pas, c'est pas ses odeurs à lui, il préfère les odeurs peut-être un peu plus sucrées ou un peu plus comme ça. Là, c'est vraiment une odeur très végétale, moi j'adore, je la trouve vraiment très agréable, donc je la fais brûler quand il est pas là, et puis quand il est là, on fait autre chose. Mais franchement, cette bougie, elle est top, je l'ai déjà fait brûler plus de 2 heures, elle est quasiment pas descendue, donc ça c'est cool, elle sent très bon, ça je valide à 100%, je vous la remontre, c'est Plantes et Parfums Provence bougie végétale à l'ombre du figuier. Si j'arrive à vous trouver des prix, je les mettrai quelque part dans l'écran parce que je n'ai pas reçu le petit livret ce mois-ci, et je ne sais pas où il est, et j'ai regardé dans mes mails, il n'y est pas non plus. Ensuite, on avait dedans ceci, donc c'est un sachet parfumé de la marque Mathilde M, c'est un sachet parfumé figuier douce, figuier dolce, excusez-moi. Donc pareil, ça sent super bon. Ça, c'est une odeur, vous voyez, ça c'est une odeur très végétale. Ça, c'est une odeur beaucoup plus féminin, suave, vous voyez, des trucs comme ça. Donc ça, vous savez, c'est les petits trucs que Mathilde M a accroché dans les... Vous enlevez le petit plastique. Vous l'accrochez dans vos placards, vos dressings, vous le mettez dans vos tiroirs à culottes ou quoi que ce soit. Et ça sent très bon. Ça, franchement, moi, je vais l'accrocher dans le dressing tout à l'heure. Ça sent hyper bon. Moi, j'adore cette odeur. Ça va sentir bon là-haut en plus parce qu'on est en sous-pente et forcément... Quand on est en sous-pente, eh ben, les odeurs avec la chaleur, ça se diffuse plus vite. Donc voilà, et c'est un petit sachet. C'est mignon en plus, même si vous le laissez voilà, accroché, vous voyez, vous mettez, vous l'accrochez comme ça, c'est mignon. Ça reste des petits trucs sympas, et à l'intérieur, vous avez des petites graines en fait. Voilà, donc ça, je valide également. Ensuite, on avait ceci. Désolée.
On avait ceci de la marque Calibo. C'est un diffuseur d'ambiance. Et ça tombe bien parce que quand on l'a reçu avec mon chéri, on se disait juste qu'il fallait qu'on retourne chez Rituals parce que sa sœur lui avait offert un diffuseur de parfum Rituals. Je crois que c'était à Noël ou quelque chose comme ça. Et il avait adoré l'odeur. Je ne sais plus l'odeur que c'est. Il faudra que je vous en reparle. Et c'est vrai que l'odeur sentait très bon et il est vide. Mais je sais que chez Rituals, je crois qu'on peut racheter des recharges. Et là, on a reçu celui-ci et l'odeur a l'air super sympa aussi. C'est de la marque Calibo. C'est le parfum numéro 6, accord boisé, tige en rotin naturel. Donc les notes de tête, c'est de la noix de muscade, du patchouli. Les notes de cœur, c'est de l'ylang ylang et de la vanille aldéhydée. Et le fond, c'est jasmin, musc blanc et bois de santal. Donc ça se présente comme ça, la boîte. Je vous montre. Voilà. Et à l'intérieur, donc vous avez les petits bâtonnets en rotin et vous avez, je vais le mettre en fonction avec vous, le petit réceptacle. Donc c'est mignon comme tout, moi j'aime bien. Attendez, hop, tac. J'attendais de faire cette vidéo pour le mettre en action lui, pour vous montrer vraiment la boîte et tout. Donc là, touc touc touc, ça je vais le mettre là-dedans. Hop, les petits bâtonnets, donc on remet ça, ça et les petits bâtonnets. Et voilà, ça donne ceci une fois que c'est fait. C'est vraiment trop mignon. Donc écoutez, je vais laisser là sur la table en attendant. Mais comme ça, l'odeur, elle me plaît bien. Ouais, c'est une odeur assez... c'est une odeur que mon chéri adore en plus. Elle est très... ça avait boisé et tout, c'est vraiment une odeur un peu masculine, mais je trouve assez sympa. Donc ça, je pense qu'on va valider, je vous en dirai quelque chose dans des vidéos ou sur Instagram, en story, etc. Mais je pense que ça peut être très bien. Et le dernier produit de cette box, c'est ceci. C'est de la marque Bénu Blanc, que je connais pas du tout. C'est de la bergamote mimosa, c'est un spray de relaxation et de régénération. Nos perles de soie à brumiser. 100% naturel, pépites de soie, brevet déposé. Alors ils disent agiter avant emploi, brumiser un nuage quelques minutes avant le coucher sur votre thé en soie pour la sublimer. Les propriétés aromathérapiques et aromacologiques sont diffusées progressivement par la technologie des néoperles. Votre sommeil est profond, votre peau se régénère et devient plus belle. Bah écoutez, c'est ceci. Ça a l'air sympa, hein ? Il faut agiter, je vais agiter. J'ai pas encore testé ça, je vous l'avouerai. Oui, c'est des toutes petites... Oh, ça sent bon. J'allais vous faire sentir. Non, ça sent bon. Ça sent... ouais, la bergamote, le mimosa. En plus, c'est une odeur que j'adore. Bah, écoutez, on va tester. J'en mettrai sur la tête de lit, voir ce que ça donne. Mais ça peut être sympa pour s'endormir. Et mon chéri m'a dit, ouais, pourquoi pas, moi j'aime bien ces petits trucs-là. Donc écoutez, on va tester et je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà un petit peu ce qui se cachait dans cette Home Sweet Box. Comme d'habitude, j'en suis super contente. La petite bougie à lambeau du figuier, elle est top. Le petit ça Mathilde M, ça va être super pour mettre dans le dressing. Cette petite chose-là, on va le mettre quelque part dans la maison et on va voir ce que ça diffuse. Mais pour l'instant, ça a l'air plutôt sympa. Et puis le petit truc Bénu Blanc, là, moi j'aime bien. Bergamote, mimosa, c'est les odeurs que j'affectionne, les odeurs que j'adore. Donc écoutez, ça m'a l'air plutôt parfait. Je vais vérifier. Non, j'avais rien dans le carton. Non, on n'avait rien dans le carton. Donc voilà un petit peu pour tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que mon retour qui se fait progressivement... J'essaie de faire au mieux, mais voilà, je vous ferai des petites vidéos de temps en temps. Je vous promets pas autant de vidéos qu'avant, comme je vous l'ai dit, mais j'en ferai régulièrement pour vous présenter des petits trucs. Là, c'est une box parce que je l'ai reçue et que je suis en partenariat avec eux et que je dois vous en parler. D'ailleurs, je remercie beaucoup la Sweet Home Box de me faire confiance parce que nous, ici, à la maison, on l'adore. C'est vraiment une box vraiment géniale et on découvre à chaque fois des... Ça sent très bon, ça. Ça commence à se diffuser là avec l'air qui rentre et ça sent vraiment bon. On découvre vraiment des odeurs, des plantes, des trucs sympas et franchement à chaque fois on est conquis. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très bientôt et puis je vous dis, je sais pas quand. Mais à très bientôt en tout cas. En tout cas bisous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Prenez soin de vous, portez-vous bien, profitez de la chaleur, profitez de vos proches. Vivez, c'est tout le principal. Salut !